Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. C'est parti pour le sixième épisode du guide du débutant dans lequel on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la magie et les sorts. Alors attention, comme c'est un guide du débutant, on va rester au niveau de ce que peut faire un personnage au tout début du jeu et on va dire quand il vient de devenir membre de la guilde des mages. Si on veut faire de la magie dans le jeu, c'est presque obligatoire de passer par la guilde des mages. Du coup, il vaut mieux y rentrer tout de suite. Et du coup, ça va faire que dans ce guide, on va pas s'attarder sur l'enchantement. Voilà, notamment, et c'est ces choses de haut niveau. On va vraiment juste commencer par voir les six écoles de magie. Et à chaque fois que je vous parlerai d'une école de magie, en même temps, je vous mettrai tous les sorts qui lui sont affiliés, tous les sorts qu'on peut trouver dans le jeu. Je vous expliquerai un peu comment ils marchent et ce que j'en pense, parce qu'il y a des sorts plus ou moins utiles. Et quand on aura fait le tour de cette liste de sorts et d'écoles, on rentrera dans la guilde des mages pour aller créer nous-mêmes nos premiers sorts. Je passerai peut-être par le vendeur de sorts, mais le vendeur de sorts, on peut dire qu'il donne des échantillons. Ou des choses un peu roleplay, voilà, des sorts qui existent, il vous les note dans le grimoire, mais ce qui est vraiment génial dans Daggerfall, c'est qu'on peut créer de façon très libre ses propres sorts. C'est une de mes parties préférées presque dans Daggerfall, c'est le moment où je vais créer mes sorts et où je fais ma petite tambouille, où je me dis, tiens, si je faisais un sort qui paralyse et qui draine la vie d'un mec. Voilà, tout en moi, me rendant invisible, ce qui fait que il sait même pas d'où ça vient. Enfin voilà, des trucs comme ça quoi. Et on peut vraiment voilà faire des associations. Je vous montrerai ça, et des sorts très puissants, très très puissants. Quand on est bon en magie dans ce jeu-là, on peut tuer des gens mais en claquant des doigts quoi, sans qu'ils nous voient venir. Voilà, en gros c'est un peu ça. Du coup, on va commencer. Écoutez, je vais regarder le ciel comme j'aime le faire. Voilà. Et je vais vous afficher mes fameuses petites incrustes, dont j'ai l'habitude, dont j'ai le secret, j'ai envie de dire. On va commencer par l'école de l'altération. Alors l'école de l'altération, vous allez voir, je vais vous donner une définition à chaque fois de l'école de la magie. C'est ma définition personnelle, c'est ce que je pense de cette école. Vous serez peut-être pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, chacun aura sa vision des écoles. Et évidemment, l'école de la destruction, elle sert à faire des dégâts, l'école de la restauration, elle sert à soigner, mais l'altération, le mysticisme, la thaumaturgie, ça peut être un peu plus flou. Et du coup, je vais vous donner vraiment ma définition perso. Donc l'altération, pour moi, c'est vraiment l'école qui sert à changer, à faire des changements physiques temporaires sur le corps du personnage ou sur les corps des ennemis. Voilà. Sans forcément parler de dégâts. Voilà. Il va faire des changements au niveau de leurs muscles, on pourrait dire, au niveau, voilà. Vous allez voir, pourquoi en regardant les sorts avec moi. On peut commencer par se muscler un peu en escaladant plus vite. En fait, avec le sort d'escalade, on va escalader les parois deux fois plus vite. Alors ce sort, je le trouve pas forcément utile, puisque on est dans Daggerfall, on n'est pas dans Cliffhanger, on n'a pas à monter des montagnes à pic comme ça pendant 2 km. Monter une paroi dans un gros donjon, ça prend maximum 10 secondes. Hein, dans ce jeu, on la monte tranquillement. Moi, je suis jamais vraiment tombé. Je crois que je suis même jamais tombé du tout pendant une escalade, même avec le bas niveau d'escalade que j'ai dans le jeu. Du coup, c'est pas un sort qui, moi, me fait beaucoup frétiller. À vous de voir si, peut-être, pour se balader plus vite, ça peut vous intéresser. Mais voilà, moi, je vais certainement pas l'utiliser. Le deuxième, par contre, qui est beaucoup plus intéressant, c'est celui de la résistance élémentale. Qui agit sur un élément, c'est pas tous les éléments auxquels on va résister, il faudra vraiment le choisir. Donc on aura la résistance au feu, la résistance au froid, la résistance aux éclairs, la résistance au poison, comme dans les autres Elder Scrolls. Mais voilà, pour peut-être satisfaire les fans de Bruce Willis, je pense qu'ils ont mis un cinquième élément, ils ont rajouté la magie. Et la magie, c'est celle qui est pour moi. La plus brutale et la plus, on va dire, proche de la nature, ou je ne sais quoi, ou proche de Magnus lui-même, on pourrait dire de la magie pure, c'est celle qui n'a pas vraiment pour moi d'élément, mais qui est quand même un élément dans Daggerfall. Voilà.
Donc la magie, elle va pas brûler, elle va pas faire des choses comme ça, mais elle existe. Donc si on a un personnage en face qui est résistant à l'élément magie, eh bien il sera tout simplement moins vulnérable à nos sorts de dégâts magiques. Voilà, donc on pourra à la fois lancer des boules de feu, des machins, mais aussi des traits magiques, voilà. Ça fait très jeu de rôle en fait, hein, le fait d'avoir une sorte de magie qui se suffit à elle-même, voilà, c'est comme ça que je le dirais. Ensuite, on a les sortes de sauts, c'est un peu comme l'escalade, mais en vachement mieux pour moi. Ça permet de sauter deux fois plus loin, deux fois plus haut. Et ça, c'est bien utile parce que dans un donjon, des fois, on va être dans un couloir, puis on va arriver devant une fosse, devant un trou, qui descend bien bas parce qu'en fait, ça va être une cage d'ascenseur. Mais soit l'ascenseur il est tout en haut, soit il est tout en bas, en tout cas il n'est pas à l'étage, et imaginez que le levier de l'ascenseur pour l'appeler, il soit de l'autre côté du trou, mais qu'on puisse pas en faire le tour puisque les murs bloquent. Et ben avec un perso comme moi qui doit avoir 8 ou 10 points de saut, c'est un peu coton de sauter au-dessus d'un trou, mais grâce à ce sort, dès le début du jeu, je pourrais me sauver la mise comme ça avec très peu de points de magie. Et aller chercher mon interrupteur de l'autre côté. Ou alors, peut-être sauter un pont à moitié effondré ou des choses comme ça. Vraiment, ce sort-là, j'ai toujours aimé sauter dans Morrowind, par exemple. Moi, les sorts de saut dans Morrowind, c'est ma grande passion. Et ben, dans Daggerfall, je retrouve un tout petit peu ces sensations-là. J'avoue que dans Morrowind, c'est vraiment un truc qui m'éclate de pouvoir se mettre beaucoup beaucoup de points de saut et on va dire d'aller de Balmora à Vivec en quelques sauts comme ça, chou, 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 ou alors de faire du nord au sud. Moi, ça m'éclate. Voilà, c'est pour moi une sensation de liberté que je trouve dans nul autre jeu. C'est une des raisons pour lesquelles Morrowind sera mon jeu vidéo préféré de tous les temps. C'est cette sensation de liberté. Voilà, du coup, le sort de saut, c'est mon petit chéri. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la paralysie. Alors la paralysie, c'est l'inverse. Quand on est paralysé, on peut plus du tout bouger. Et du coup, nous, on le lance sur les ennemis, évidemment, mais on peut se le prendre. Comme on est un haut elfe, on est résistant à la paralysie. Ça, c'est bon, parce que la paralysie dans Daggerfall, c'est super violent. Ça dure minimum un round. Et en fait, c'est comme ça que le temps est calculé dans les magies de Daggerfall, et les rounds, c'est 5 secondes, en fait. Vous le verrez après, je vous le rappellerai, mais imaginez que les sorts de paralysie durent au moins 5 secondes, on a le temps de se faire taper hein, dans un jeu pendant 5 secondes. Et du coup, il suffit d'augmenter ça, allez, 2-3 rounds, si le sort fonctionne, on a un ennemi, il peut plus bouger pendant 15 secondes, et on en fait ce qu'on veut. Donc, imaginez que je rajoute à ça un sort qui fait progressivement baisser sa vie sur un truc avec un élément sur lequel il n'est pas résistant. Mais le gars, j'ai même plus à le toucher en fait. Je l'oublie. Il est là. Il va bientôt se transformer en cadavre à looter. Donc voilà, la paralysie dans Daggerfall, déjà dans Morrowind aussi, la paralysie c'est complètement dingue. Mais dans Daggerfall, c'est à peu près pareil. Voilà, ça fait partie des sorts un peu cheatés. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bouclier. Les boucliers, comment ils le définiraient dans mon guide? Parce que je l'ai sous la main. Le fameux guide, bah, je vais rappeler lequel c'est, tiens, pendant que je l'ai dans la main, c'est The Infamous Beginner's Guide to Daggerfall. Et il a été écrit par Mark Stinson. Et donc c'est celui que j'utilise comme référence. C'est super d'avoir ça, de mettre imprimé ça. Bon. Il fait des pages, du coup, voilà le prix en fait de ce truc, mais je suis super content de l'avoir. Je parlais de quoi? Je parlais de Shield. Donc le Shield, ce n'est pas... Non, ce n'est pas une association d'hommes et de femmes qui aiment se battre contre les méchants, c'est plutôt un sort qui va absorber les dommages physiques, voilà. Donc on va pas absorber les boules de feu avec ça, mais on va absorber les boules de fer. Voilà, attention. Attention bien à la différence, les coups de dague et les coups de marteau, tout ça, ça rentre dans l'absorption du bouclier. C'est vraiment pour moi le sort typique d'un perso magique à qui on a empêché de porter des armures de plate. Voilà. Si on a un perso, on lui dit bah tu peux porter de la chaîne, mais tu peux pas porter de daédric ou de orc ou même d'acier. Bah on va lui
on va lui faire un sort. À mon avis, on va déjà mettre l'altération assez haut dans ses stats, dans ses talents. Mais on va aussi, dès le début, aller dans une guilde des mages pour se faire un bon petit sort de bouclier, histoire de compenser ce qu'on n'a pas en armure. Et ce que nous, on fera, peut-être. Bon, allez, mon perso, je pense qu'il va être assez puissant, et comme il est surtout faible contre la magie, c'est plus ces résistances-là qu'on verra. Mais voilà, faut vraiment imaginer que le shield, c'est... enfin, le sort de bouclier, c'est une alternative viable aux armures contre les dégâts. Voilà. La suivante, ça peut être sympa aussi, c'est la chute ralentie. Parce que, je pourrais faire le tour et vous montrer que si je saute sur un... Si je grimpe à un toit et que je saute, même mon perso avec peu de vie, il va perdre peu de vie, en fait. Même s'il a peu de vie maximale, il va pas faire beaucoup de pourcentage de dégâts. Par contre, dans un donjon à 3 étages avec un... Bah tiens, dans le cas de la... Voilà. Dans le cas de la cage d'ascenseur dont je parlais tout à l'heure pour le saut, si finalement je décide de tomber dedans parce que je vois pas de levier et que je me dis, tiens, peut-être que le levier il est en bas, eh ben, il vaudra mieux que je tombe dans le vide avec de la chute ralentie pour pas me casser les jambes en atterrissant. Et ça va nous faire vraiment chuter doucement, et vraiment très doucement même des fois, genre dans Daggerfall il est un peu trop puissant, la chute ralentie, donc voilà, on tombe un peu comme une feuille, comme ça, comme une feuille à l'automne, comme ces flocons de neige qu'on voit passer derrière le texte, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernier? Ah oui, la respiration aquatique, alors ça c'est encore tout un truc dans Daggerfall, parce que... la respiration aquatique dans Daggerfall, elle vous transforme vraiment en poisson. On respire à travers l'eau et on prend de l'oxygène dans l'eau. Du coup, soit on le fait en continu et on perd jamais d'oxygène, soit ce qu'on peut faire, c'est reprendre des inspirations magiques. On va lancer le sort pendant juste un coup, comme ça. On va reprendre une bonne bouffée d'air. Et on va après relaisser descendre l'oxygène jusqu'à devoir reprendre son souffle. L'avantage de ça, c'est que ça va user peu de magie. Mais derrière, si on se retrouve devant un banc de drogueurs, c'est des hommes crabes, on pourrait dire, voilà. Devant deux serpents géants, un homme crabe et je ne sais pas quelle autre saloperie qui peut traîner dans les eaux de Daggerfall, on sera bien content de ne pas avoir à reprendre sa respiration. Donc, c'est à vous de voir selon la magie, en fait. Si c'est un bon perso en magie, vaut mieux le transformer en poisson. Si c'est un perso avec très peu de magie, soit on se prendra une amulette. Parce que dans Daggerfall, je pense qu'on en trouve vite des amulettes de respiration aquatique. Soit on reprendra juste des petites respirations comme ça en lançant un sort de façon ponctuelle. Voilà, et ça fait quoi? Ça fait le tour de l'altération. On va passer maintenant... à la destruction. Alors la destruction, la définition elle est simple, c'est les dégâts purs, les dégâts élémentaux, les dégâts. On commence avec, je l'ai mis par ordre alphabétique, Continuous Damage, donc les dommages continus, qui vont être à haut niveau assez violents, puisque avec le temps qui passe, la vie, la fatigue ou la magie du perso sur laquelle c'est lancé va baisser. Tout simplement, si on le met sur la fatigue ou la magie, il va perdre, soit il va plus pouvoir se battre, soit il va plus pouvoir lancer de sort. Mais si on le lance sur la vie, on pourra aussi rajouter un élément. Un des 5 éléments, donc voilà, ça fait des sorts qui peuvent être un peu alambiqués parce que, on va dire, je veux lancer tel sort avec telle magnitude, pendant tant de secondes, sur la vie du personnage, et en plus je veux que ce soit des dégâts de glace, voilà. En gros, je veux geler cet ennemi à petit feu, ou à petite glace, ouais. Et du coup, c'est quand même pas si difficile que ça à créer dans le créateur de sorts, et c'est ça qui est bien aussi dans Daggerfall, c'est que on se prend pas trop la tête, on regarde, on bouge des flèches au bas, puis à la fin, tiens, ouais, ça va aller, je vais prendre celui-là. Les dommages, c'est tout simplement comme celui d'avant, mais sans le côté continu, c'est vraiment ponctuel, c'est je te lance un truc, tu perds de la vie, et je t'en lance un deuxième si je veux que ça continue. Lequel est le mieux? Je pense que dommage, si on veut faire un gros
paquet de dégâts d'un seul coup, ça peut être assez sympa, mais si on fait de la paralysie, continuous damage, c'est le combo parfait, quoi. Après, il y a le... Ah oui, désintégration. Désintégration, c'est encore pire. C'est soit je te tue d'un coup, soit tu restes en vie. Voilà, ça se base que sur la chance que ça a de toucher. Et en fait, c'est comme on l'aura plus du tout, des trucs comme ça après dans les Elder Scrolls, parce que c'est trop cheaté, on va dire, comme sort, mais ça va être l'équivalent des Final Fantasy, des sorts morts dans Final Fantasy par exemple. Donc celui-là je l'aime bien quand on a un bon niveau et qu'on peut le mettre de très grandes chances de toucher. C'est un truc qui, voilà, si un sort a de désintégration 75%, il y a pas mal de chances que n'importe quel ennemi meure d'un coup avec ça. Donc faut bien le garder en tête celui-là quand on devient un très bon mage. Ensuite on a le drainage. Le drainage, ça je vais prendre mon petit guide parce que il est un peu spécial, je crois que c'est juste diminution celui-là. Parce qu'après on verra qu'on a voilà, on a transfert, les deux font un peu la même chose, mais on va voir comment. Drain, 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 voilà. Drainage, ça ne marche que pour les attributs, et en fait ça fait baisser les attributs de la cible. Donc on pourrait très bien lui dire je fais un sort qui a 20% de chance de d'enlever 10 points de force à mon ennemi, ou alors on pourrait même lui enlever toute sa volonté pour qu'il ait plus de points de magie. C'est une autre façon de dégager les points de magie d'un mage. Ou alors on lui enlève toute sa force ou toute son agilité, il peut plus nous toucher. Voilà, ça s'il faut, il faut bien prendre ça en compte quand on fait nos sorts aussi, il y a les attributs aussi derrière, donc c'est tout un gros système. C'est pour ça aussi que je fais ce guide, c'est pour pouvoir prendre le temps de vous expliquer tout ça. Voilà, c'est un RPG complet. Il y a tout un tas de chiffres qui s'entrechoquent pour avoir des résultats assez épiques à la fin. Donc voilà, drainage, on prend les attributs et c'est tout. Mais transfert, par contre, transfert, on peut prendre la fatigue, la vie, et se la donner à soi, donc vampiriser le personnage, mais on peut aussi le vampiriser de ses attributs. C'est un truc que je sais même pas s'il est encore dans Skyrim, mais il était dans le Drain, il était dans Morrowind. Transfert aussi. Je crois que les transferts de vie, ça s'est resté, mais voilà, pour les attributs, ça a plus ou moins fluctué. Donc transfert, qu'est-ce qu'ils disent exactement dans mon guide? À la lettre T. Téléport, transfert. Voilà. Bon, il dit juste que les points sont transférés de la cible vers le lanceur, mais on n'imagine pas, par exemple, piquer 10 points de magie à un mec, non, 10 points de force à un gars, 10 points, 10 points, 10 points comme ça dans un donjon, et finir tout le temps avec 100 points de force alors qu'on démarre à 40-50. Le sort s'arrête quand le personnage, quand l'ennemi meurt. Voilà. C'est plutôt logique, sinon ce serait complètement casser le jeu. Et voilà, donc se souvenir que quand on part dans la destruction et qu'on est haut, on va pouvoir faire beaucoup de dégâts, beaucoup plus qu'avec une arme. Mais il va aussi falloir dormir pour reprendre ses points de magie. Donc faire attention à ça. Quand on est utilisateur de l'école de la destruction, les points de magie descendent, ils descendent, ils descendent. Et il faut pas se retrouver devant un ennemi avec en claquant des doigts et il n'y a rien qui vient, quoi. C'est vraiment, faut faire attention à ça. Donc ça peut être vraiment trippant de jouer un mage dans ce jeu. J'aime bien aussi, moi, de tataner un petit peu. Du coup, ce sera mille l'un mille l'autre. J'aime bien les persos qui sont un peu maîtres de tout. Dans Skyrim, j'ai joué un peu ça aussi. C'était un mage archer. Je sais pas si je ferai un jour des vidéos sur Skyrim. Ça, j'en sais rien du tout. Mais un build que je conseille dans Skyrim, c'est l'archer des ombres. Un archer qui se voit pas et qui fait des dégâts de dingue. Avec un arc lié. Voilà, on invoque son arc, on reste dans l'ombre et on one-shot les mecs. Dans Skyrim, ça me faisait trop kiffer, quoi. On va quand même passer à la suivante, on en a encore quatre derrière. L'école de l'illusion. Celle-là, pour moi, c'est celle qui permet de modifier ce que voient les gens, que ce soit nous ou les ennemis. On a Caméléon. Caméléon et invisibilité, et même les ombres en fait, mais les ombres j'en parlerai après. Caméléon et invisibilité, ils sont
presque similaire, sauf que Caméléon, il va permettre de se fondre dans le décor, et du coup d'être quand même un peu vu, mais invisibilité, vraiment, on sera plus du tout visible. Ça, c'est très efficace dans... Bon, c'était très efficace dans Morrowind aussi, par exemple, mais même dans Skyrim, si je me souviens bien. Ça me permettait de me sortir de pas mal de situations avec mon petit archer des ombres, là, dès que j'étais vu, vloup, invisible, je vais me mettre ailleurs, et je continue à vous tirer dessus d'un endroit que vous avez pas vu. Ça me donne envie de jouer à Skyrim. Bref. Oh, d'ailleurs, Skyrim, il va ressortir en remaster, là. J'ai trop hâte de me prendre ça sur Steam. Bref. Je digresse. Du coup... oui, les caméléons se font dans le décor, invisibilité, ont disparu du décor, et les deux, ils peuvent être... ils peuvent avoir un attribut, ça va être soit normal, soit vrai. Et en fait, normal, dès qu'on va faire une action de combat, on va être vu, ça, le sort va se dissiper, mais si on reste en vrai, le sort ne va jamais se dissiper. Et dans Daggerfall, ce qui disparaît après, et parce que c'est complètement pété, on peut... être invisible et donner des coups d'épée à des gens qui vous verront jamais. Et du coup, on donne des coups critiques, enfin des coups de discrétion, du backstab et tout ça, parce que ils nous ont pas vu venir. Enfin, c'est l'invisibilité dans Daggerfall aussi, c'est un truc qui peut être carrément puissant. On pourrait très bien se mettre invisible, paralyser un mec et lui faire des coups critiques pendant que lui il peut rien faire. Enfin voilà, c'est bienvenu dans Daggerfall. Le sort de lumière, c'est le même que dans les autres Elder Scrolls, sauf que là, ça fait apparaître une bougie. Ça fait pas apparaître une orbe, une jolie orbe comme dans Skyrim, ça fait apparaître une bougie qui va flotter devant nous et qui va tout simplement nous éclairer la voie. Il peut y avoir des coins très très sombres dans les donjons. Du coup, c'est très straightforward, hein, c'est vraiment ça... C'est pas plus compliqué que ça, j'ai envie de dire. C'est un sort que je ferai certainement. Et encore. Ouais, on verra. Et celui d'ombre, par contre, c'est... Pour moi, c'est un peu la grande inconnue, l'ombre, parce que ça dit dans la description que on se fond dans les ombres pendant la durée du sort ou jusqu'à ce que l'on donne un coup. Et je l'ai jamais utilisé, donc au pire, si vous le connaissez, parlez-moi. Mais vraiment, le sort d'ombre, pour moi, il a rien à envier à Caméléon ou Invisibilité, voilà. Peut-être qu'il coûte moins cher, peut-être que c'est ça, son principe, et du coup, on crée une ombre autour de nous, les gens ne voient pas arriver. Voilà, moi, c'est pas forcément un sort qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie dans Daggerfall, du coup, voilà. L'illusion, elle est aussi restreinte que ça dans Daggerfall, on pourra... calmer les gens et ainsi de suite, mais c'est pas des sorts d'illusion dans Daggerfall. Ça le deviendra plus tard, les sorts de, on va dire, d'influence des personnages, genre tiens, deviens berserk ou alors calme-toi. Dans les suivants, c'est illusion, mais pas dans Daggerfall. On passe, je vais boire un peu de thé. Pour ceux qui aiment le thé, je conseille le thé aux épices de Twinning. Alors là, c'est le paradis, ce thé. Donc, revenons au mysticisme. Le mysticisme, c'est pour moi des changements dans le monde. Voilà. On va opérer des changements temporaires dans la réalité. On pourrait dire dans la fabrique de la réalité, on pourrait dire. Donc, le premier, je passe dessus tout de suite, c'était comprendre les langages. Mais dans Daggerfall, il n'y a pas de langue étrangère. Il y a les langues des ennemis, mais ça ne rentre pas là-dedans. Mais il n'y a pas la langue des nains, je sais pas, moi, l'ancien elfique ou tout ça. Et du coup, il est inutilisable. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y a créer les objets. Alors ça, je l'ai pas mal étudié. C'est un des trucs qui m'a même fait perdre du temps pour sortir cette vidéo. Je voulais à tout prix comprendre ce sort. C'est un sort assez balèze puisqu'il permet de créer des objets, et normalement, en fait, je pense que pour eux c'est ce qui deviendra objet lié, parce que en fait, quand on balance créer un sort pendant une durée, il y a un menu qui apparaît, on pourra dire tiens, je veux des gants de fer par exemple, et on se fait apparaître des gants de fer, ils vont dans l'inventaire. Mais, en fait, la durée du sort, elle fait pas après disparaître l'objet, ça reste dans l'inventaire.
Et ce que ça fait, c'est que c'est un désavantage en fait, la durée. La durée plus longue demande plus de points de magie. Sauf que tout ce que ça fait, c'est en fait, vous n'avez pas le droit de lancer un sort, relancer le sort de création d'objet tant que le temps n'est pas écoulé. Alors du coup, ça pour la logique du jeu, merci bien. Et ensuite, moi quand je lançais, par exemple créer, je pouvais créer on va repartir sur les gants, des gants de cuir, des gants de chêne et des gants de fer et d'acier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les gants d'acier, ben moi je créais toujours des trucs en cuir ou limite en fer quand j'avais en chêne quand j'avais de la chance. Mais pas plus haut. Alors j'ai cherché un peu sur internet et tout ce que j'ai trouvé sur ce sort, c'est qu'il est vachement buggé, mais qui permet des fois de créer des objets qu'on peut revendre dans les boutiques. Ben, au final, il me fait pas trop triper parce que il est tellement buggé et tellement c'est tellement l'exploit de pouvoir dormir dans un. On va aller. Ouais. On est membre de la guilde des guerriers. On va faire dodo. Tous les jours, on se crée un gros objet. Hop, hop, hop. Bon, je vois pas bien le. Il suffit de se réveiller, de se créer un objet, de se réveiller, de se créer un objet, de tout balancer dans la charrette, et après on devient légitimement très riche. C'est pas trop. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être un sort vraiment intéressant, mais finalement tant pis. Je voulais faire en fait un début aussi d'aventure où je me serais créé les pièces d'armure qui me manquent, mais c'est beaucoup trop buggé pour moi. Donc tant pis pour lui, voilà. Vous pouvez jouer avec si vraiment ça vous intéresse, mais voilà. Dans le mysticisme, pour continuer, on a... Ah oui, dissiper. Alors dissiper, on peut dissiper vraiment les effets magiques, c'est-à-dire qu'on a une malédiction sur soi, on est empoisonné, je sais pas quoi. On a un sort qui nous affecte. Ou même plus, par exemple, un sort... on sait lancer lévitation, mais ça fait 2 minutes qu'on lévite, on aimerait bien atterrir. On peut lancer dissiper les sorts sur soi et on sera lavé de tous les sorts qui nous affectent, mais on peut aussi dissiper les créatures. On peut dissiper les Daedra, donc les ennemis très forts du jeu, ou alors dissiper les morts-vivants, et ça aussi c'est pas mal parce que les morts-vivants ils sont quand même un petit peu balèzes. Donc ça voilà, ça va se séparer en plusieurs sorts hein, dans les prochains Elder Scrolls, ce sera renvoi de Daedra et renvoi de morts-vivants, je crois qu'ils s'appellent comme ça après. Ensuite, on aura le sort de verrouillage des portes, hein, surtout. On avait vu dans les épisodes précédents que les persos, les ennemis peuvent ouvrir les portes. Et ben, ça va permettre de verrouiller la porte et de faire qu'elle soit pas possible de l'ouvrir. En tout cas, pendant un temps donné, voilà. Et là, je réfléchis parce que je me suis mis que ça ne s'affiche pas et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Dans le créateur de sorts, la durée, on peut mettre par exemple 5 rounds, 10 rounds, et se dire tiens, on a 20% de chance que ça marche ou quoi. Mais ça s'affiche pas. C'est un gros bug du jeu qu'ils ont jamais, que personne n'a jamais réglé. C'est que la durée qu'on peut mettre sur le sort, on voudrait dire par exemple que pendant 2 rounds, la porte est verrouillée, et ben ça, il faut le faire à l'instant. On entend les chiffres qui bougent dans le créateur de sort, ça fait tac, 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 mais on les voit pas. Donc, merci bien, mais voilà, il faudra garder ça en tête, et je préfère vous prévenir parce que je me demandais, mais pourquoi il n'y a que la chance verrouillée, après comment on la déverrouille, je refais open, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, non, quand ça se dissipe, à la fin du sort, ça va réouvrir la porte, voilà. Elle reste bloquée de façon magique, mais pas mécanique, on pourrait dire. À l'inverse de ça, en plus, il y a le soir qui tombe et tout, c'est vraiment trop bien. Je me demande si je devrais pas changer de fond parce que là ça devient un peu sombre. On fera sur la prochaine école de magie. Où j'en étais? Ah oui, l'ouverture. Bah, l'ouverture c'est l'inverse. Tout simplement, on a une porte fermée, on pourra l'ouvrir avec le sort d'ouverture. Silence, c'est tout simplement un sort qui empêche aux ennemis pendant une durée donnée de lancer des sorts. C'est comme tous les autres sorts de silence dans les Elder Scrolls. Capture d'âme, ben ça c'est pareil, ça va permettre quand on tue un ennemi, s'il est sous l'influence de ce sort,
Ce qu'il va faire lui, c'est mettre son âme dans une gemme, et cette gemme, on pourra l'utiliser pour enchanter les objets un peu plus tard. On se souvient que par exemple la meilleure gemme c'est l'étoile d'Azura. On avait les grandes gemmes, les petites gemmes, tous ces trucs-là, tous ces cristaux qu'on a jusque dans Skyrim. Et ben en fait c'est ça, voilà. C'est le sort qui permet de les remplir. Et la téléportation, ça c'est pour moi un de mes sorts encore préférés. Au lancer, soit on met une ancre, c'est-à-dire qu'on dit là, ici où je suis, je veux revenir. Plus tard, soit je lance pour me téléporter, et en fait, quand je me téléporterai, ce que ça va faire, c'est que je vais revenir à l'ancre. Donc on peut très bien lancer... Moi, je vais prendre une quête dans la guilde, et ils me disent, tiens, va voir là-bas si j'y suis, et le temps que j'y aille, et de revenir, ça va faire un aller-retour assez long, mais je peux tout simplement faire juste l'aller, finir ma quête et revenir avec le sort de téléportation pour aller plus vite. Voilà, ça c'est un... Je pense que je vais l'utiliser pas mal de souvent du coup. Et évidemment, je le dirai jamais assez, mettez une ancre devant la porte du donjon. Toujours, toujours, toujours une ancre. On est perdu à vie dans un donjon. Mettez toujours une ancre à l'entrée d'un donjon. On rentre dans un donjon, le premier réflexe, c'est de mettre une ancre. Voilà. Là, il commence à faire sacrément noir. Je commence à être fatigué et tout, mais c'est un truc de dingue. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est peut-être... Est-ce qu'on fait une petite pause? Parce que là, on a fait le tour du mysticisme. On va aller faire un petit dodo. Et je vais changer de surface, comme ça, pour vous parler des trucs. Je sais même pas, tiens, si je vais pas avoir besoin de mettre mon affichage en blanc, on verra bien. C'est pas très important, on va aller à la fameuse guilde qui est bien au sud d'ici, ouais. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je la vois? Ah bah la voilà. Donc on va dormir jusqu'à 11h, parce qu'à 11h... avant 11h, on va laisser le temps de discuter. Hop. Il est quelle heure, déjà? Il est 6h, 6h, on va dormir pendant... on va pas se réveiller trop tôt, on va pas dormir pendant 10h, allez. For a while, 10... Ouais, on va remonter la fatigue surtout. Voilà. Vous vous réveillez. Et tiens, d'ailleurs, la musique elle est sympa, donc on va rester là. Et on va peut-être dormir jusqu'à... Attends, il est quelle heure? On est arrivé à 4h. Ah ouais, non, 4h c'est un peu tôt. On va rajouter 5 heures à ça. Allez. Voilà, voilà. Histoire qu'il fasse jour et qu'on ait des murs un peu blancs pour discuter. Je vais m'en mettre sur un mur. On va descendre. Et on va peut-être se mettre une petite... Est-ce qu'on... Voilà, ça j'aime bien. Une petite lumière qui vacille. Est-ce qu'on a ça quelque part? Une torche en bas. Il y avait une torche à côté de... Ouais, voilà. On va pouvoir se faire un petit truc sympa. Voilà, comme ça. Ouais, ça ira. Voilà. Donc, affichage de la prochaine école qui sera la restauration. Alors, la restauration, c'est tout simplement la guérison et l'amélioration. Voilà. C'est le soin, c'est ce qui a été abîmé, on le répare, ainsi de suite. Surtout au niveau du personnage. Hein. On va très peu influencer des objets, ce sera beaucoup plus la vie qu'on va influencer. Du coup, on a la guérison. La guérison de trois choses différentes, soit on guérit la maladie quand on a chopé... mon perso par exemple est assez faible face au jet de résistance de maladie, il pourra tomber malade. Ben, quand on est malade, on peut lancer un sort de soin de la maladie, de guérison. On peut se guérir du poison si on est sous l'effet du poison. Et la paralysie, ça c'est je pense plus... c'est un truc qui est toujours fou parce que dans les Elder Scrolls on a toujours le soin de la paralysie, dans Morrow si je me souviens bien. Mais quand on est paralysé, pour se guérir soi-même, on peut pas, vu qu'on peut pas bouger. Et du coup, je pense que c'est plus un truc de quête pour guérir quelqu'un de la paralysie. Si on le trouve transformé en pierre comme ça, ça pourrait être... Je me demande si c'est une quête qui existe. Je sais pas si c'est une quête qui existe, mais je le vois utilisable que comme ça, celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maladie, machin... Ah oui, fortifier un attribut. Attribut fortifié, ben tout simplement, c'est l'un de force, ainsi de suite. Un des attributs du personnage.
C'est l'inverse de ce qu'on avait dans la destruction. Là, on s'augmente soi-même ses caractéristiques. Ça peut être sympa pour se déplacer plus vite ou pour taper plus fort. Taper plus fort, ça veut aussi dire transporter plus d'objets. Voilà. Donc, c'est pas un truc à sous-estimer, la fortification d'attributs. Ensuite, action libre, je crois que c'est. Je vais vérifier, mais je crois que c'est tout simplement. Attends, B. FFF. Free action. Voilà. C'est une immunité. On est immunisé contre la paralysie quand on lance le sort d'action libre. Quitte, je pense, un truc quand on combat des araignées, par exemple. Les araignées, ça, c'est le truc qui vous paralyse en 2 secondes tout le temps. C'est même embêtant, les araignées, en fait, dans le jeu, quand on n'est pas un haut elfe. Du coup, ça, si, c'est un sort que je conseille. Hein. Free action contre. Surtout la guilde des mages. Tiens, il y a une araignée qui s'est introduite dans la maison, il faut aller l'écraser pour le propriétaire. Ben, en fait, on se retrouve devant une araignée géante qui paralyse. On est content de pouvoir bouger pendant la minute où on va lui taper dessus. Ensuite, soin de la fatigue, de la vie ou des attributs, et ben ça tout simplement, c'est quand ça a été abîmé. Donc, on a perdu de la fatigue parce qu'on n'arrête pas de crapahuter, hop, on se la remet. On a perdu de la vie parce qu'on a subi des dégâts, on se la remet. On a perdu des attributs à cause d'un sort, on peut se les remettre, voilà, tout simplement. Je veux dire, c'est le sort magique par excellence dans tous les jeux de rôle. Régénération, ça fait remonter la vie. Progressivement, je pense pas qu'on puisse la mettre autre part que sur la vie, je vérifie quand même si j'ai pas oublié ça. Non, non, voilà. C'est que sur la vie, et ça la fait remonter progressivement, tout simplement. Voilà, on peut engager un combat en se mettant de la régène de vie, histoire de tenir un peu plus longtemps, et de pas avoir à s'occuper soi-même de lancer les sorts de soins. Comme ça lance, on va dire, des petites boosts de soins au fur et à mesure. Et l'absorption de sorts, et ben c'est un peu comme Spell Absorption. Je vais quand même vérifier si c'est même pas du transfert et qu'on ne prendrait pas de la magie. Spell Absorption que j'ai. Oui, voilà. En fait, on absorbe les sorts. Et du coup, c'est pas juste une résistance, c'est une absorption. Et du coup, c'est transféré dans notre mana à nous. Voilà, si par contre je crois qu'il y a un truc comme quoi si on a le mana à fond, on pourra pas absorber les sorts, mais ça peut être super utile de se le lancer au début d'un combat contre un vampire ou un truc comme ça, qui lance des sorts pour absorber. Ça c'est aussi un truc qui se retrouve dans les prochains Elder Scrolls. Et ben voilà, j'ai déjà fait le tour de la guérison. Et il reste tout simplement l'école qui disparaîtra ensuite, mais qui est là dans Daggerfall, c'est l'école de la thaumaturgie. La thaumaturgie, pour moi, c'est plus un changement. J'ai eu du mal à définir celle-là, c'est un changement des lois de la physique. Voilà. Ça pourrait être comparé au mysticisme, mais c'est pour ça que tous ces sorts, en fait, ils vont être, on va dire, répartis une fois qu'on sera arrivé à Morrowind. Mais dans ce jeu-là, ils ont fait une 6e école pour ça. Est-ce qu'ils ont fait 6 écoles pour qu'il y ait 6 écoles, ou est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à ça? C'est une question que je me pose encore, franchement. Du coup, on commence par Charme. Charme qui a très peu de magnitude, qui marche très peu, qui permet de faire que les ennemis vous attaquent pas. Mais c'est un peu pété, il n'y a pas vraiment de. Voilà, c'est pas un sort très efficace, j'ai regardé sur internet en plus, et en fait non, vraiment, ce sort il marche pas très bien. Donc à éviter. Ensuite il y a le sort de détection, qui vous montrera l'ennemi le plus proche, l'objet magique le plus proche, ou le trésor le plus proche. Donc ça peut être sympa pour retrouver son chemin, notamment parce qu'on tourne en rond dans un endroit et on sait pas trop. On sait qu'on a tout fouillé, mais on sait pas où aller ensuite. On pourra toujours suivre l'endroit où il y a le prochain trésor, par exemple, parce qu'on l'a pas trouvé, donc c'est certainement qu'il est dans un endroit qu'on n'a pas vu. Ça voilà. Identifier, ça c'est sympa, parce qu'on peut faire identifier les objets magiques qu'on a retrouvés. Tant qu'on les a pas identifiés, on ne sait pas ce que fait un objet magique. Mais soit on attend de retourner à la guilde des mages. Soit si on n'est pas membre, si on est dans un donjon ou si on a été viré de la guilde des mages, et bon, on peut le faire soi-même en lançant ce sort. Donc ça c'est aussi assez éloquent. La lévitation, enfin la lévitation j'ai envie de dire, elle est dans la thaumaturgie, dans Daggerfall, et donc elle permet de voler. Voilà, tout simplement. C'est le sort qui permet de voler librement, aussi bien que dans Morrowind.
ça disparaîtra ensuite parce qu'ils ont fait des... Comme dans Oblivion, ils ont fait des murs autour des villes et le fait qu'ils ont fait des chargements quand on rentre, eh ben, on pouvait pas, ils pouvaient pas laisser les gens voler autour de ce mur, voler au-dessus plutôt. Et du coup, bah du coup, c'est dommage, mais ça a disparu. Donc moi, c'était un de mes gros regrets quand j'ai joué à Oblivion, c'est de plus pouvoir voler. C'était d'une tristesse absolue pour moi. Je m'en suis pas encore remis, je pense, de la disparition de la lévitation dans les Elder Scrolls. Mais bon, c'est pour ça aussi, voilà, hein, Morrowind. Hein, moi, je resterai toujours amoureux de Morrowind pour ça aussi. Hein, c'est la liberté. Tout ce qu'a fait finalement Elder Scrolls après Morrowind, c'est couper des libertés. Donc c'est ça qui est vraiment dommage pour moi. Je reviendrai peut-être là-dessus si un jour on en parle. Ensuite, il y a la pacification qui passera après dans l'illusion. Donc on peut calmer, c'est-à-dire couper l'aggro, faire en sorte que les ennemis ne nous attaquent plus, qu'ils soient des animaux, des Daedra ou des humains. Voilà, ça c'est les trois... Rien ne vous empêche de faire un sort qui va calmer les trois, hein, mais en général on reconnaît ce qu'on a en face. Du coup voilà. La réflexion de sort, ça c'est bien parce que ça, au lieu de vous toucher vous, je vérifie hein, quand même que ce que je dis, mais au lieu de vous toucher vous, ça touche la personne. Donc voilà, les sorts hostiles sont réfléchis directement au lanceur pendant la durée du sort. Du coup, au lieu de se prendre la boule de feu et les dégâts de prendre 30 dégâts, bah, c'est l'ennemi qui se prend les dégâts. Ça c'est très bien sur les objets enchantés. Quand on trouve un bouclier qui réfléchit les sorts, qui a 30% de chance ou 50% de chance de réfléchir les sorts, on est bien content. Et c'est pareil pour la résistance, c'est-à-dire au lieu de les réfléchir, c'est un peu moins bien, ils sont juste annulés. Voilà. Je sais pas par contre, je vais vérifier s'ils sont annulés complètement ou si c'est comme le bouclier avec une sorte de palier. Voilà, on est plus résistant au sort, mais pas complètement. Voilà, ça c'est important. Alors que réflexion, c'est à 100%. Le truc, il repart comme il est venu. Dans la résistance, par contre, il arrive et il arrive quand même à vous toucher un petit peu. Donc voilà, et la dernière, est-ce qu'il continue à exister dans... Ah, je sais plus si dans Skyrim il existe le marche sur l'eau. Au pire, dites-le-moi dans les coms, mais voilà. Marche sur l'eau, ça permet tout simplement de marcher sur l'eau. On va le traiter comme si c'était le sol. Voilà, c'est juste qu'on s'enfonce plus dans l'eau. Il peut y avoir dans les villes, notamment à Daggerfall, des grandes étendues d'eau. Bon, on peut aussi dans les donjons, par contre, ouais, dans les donjons, ça peut être sympa de marcher sur l'eau pour pas se faire attraper par les monstres qui sont dedans. Mais voilà, à part marche sur l'eau. À part vouloir se rendre de Daggerfall à Sentinelle à pied, je vois pas trop dans ce jeu si c'est la vraie utilité. Vu qu'on nage quand même pas mal. Voilà. Ce qui me chiffonne en fait avec la marche sur l'eau dans Daggerfall et que je m'imagine là, c'est que l'eau, on va dire, en dehors des tunnels, on va dire de l'eau au jour, bah, il y en a que dans la nature. Donc ça va être les petites mares. Autour des palais ou autour des guildes des mages et ainsi de suite. Mais voilà, on tombe dedans, on sort, c'est pas grave, on est dans la nature. Mais dans les donjons, ça va être en fait des couloirs inondés. Donc marcher, ça sert à rien puisqu'il y a le plafond. On peut pas, il n'y a pas de surface en fait à l'eau. Il y en a à l'entrée du tunnel inondé, à la sortie du tunnel inondé, mais pas entre les deux. Donc voilà, l'utilité de ce sort, bah, évidemment dans un monde Morrowind, tout ça, Oblivion, avec des rivières, avec des grands lacs et tout ça, ça parle. Mais dans Daggerfall, c'est une bonne idée, c'est bien qu'elle soit restée, mais voilà, dans Daggerfall, je vois pas trop l'utilité de celui-là. Bah, on a fait le tour, les copains. Je réfléchis, bah ouais, carrément. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer nos propres sorts à nous. On va aller voir ça, il est quelle heure? Il est 11h18, la guilde des mages vient d'ouvrir, le timing est complètement parfait, merci les gars. C'est parti. Attends, il est 11h du... Morning, machin, Morningstar, c'est un mois.
Donc on verra bien de toute façon. On va aller au nord. Je trouve qu'il fait un peu sombre, mais c'est certainement le matin dans cette région-là qui est comme ça. On entend des petits oiseaux, du coup c'est pas mal. Hop, on va y aller en sautant comme d'habitude. Et je vais vous montrer, on va rentrer, je sais plus trop où elle est, la créatrice de sorts. On va voir dans la guilde la création de sorts, mais aussi l'identification. Voilà, ça aussi il faut que je le fasse. On va commencer par les sorts. Je sais pas si on ferait pas, tiens bien, de faire un truc. J'ai combien d'or? Gold, j'en ai 282, c'est pas des masses pour créer des sorts. Je vais aller, je viens d'y penser en fait. Je vais aller, on va voir. Il y avait des trucs, pas loin. Voilà, ce First Class Supply Store là, c'était le truc tout pourri. Et les trucs tout pourris, ils nous reprennent nos équipements à bon prix. Du coup, c'est au sud-est, on va y aller. On va y aller, comme ça, on ira, on n'aura pas à ressortir et à se dire, oh non! J'ai besoin d'aller tuer des mecs dans une tombe pour pouvoir continuer mon épisode, quoi. Alors, c'est parti. Où est-ce qu'on est là? On est au nord-ouest, ouais, voilà. Il faut continuer. Hop, hop. Ça, c'est vraiment, vous verrez ça après, hein, mais c'est une ville, elle a l'air grande comme ça, mais pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout. On pourrait imaginer en Skyrim une grande ville comme Solitude ou tout ça, mais c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus petit après Daggerfall. Bon, Daggerfall c'est complètement surréaliste, hein, mais voilà. Je ne sais plus me repérer, j'ai jamais su me repérer. Alors c'est à l'ouest. Alors hop, j'ai un peu voilà, j'ai un peu le sens de l'orientation de Zoro dans One Piece, donc faut pas vous offusquer de ça. Info mode, first class machin ou pas hein? Ouais, c'est bon. Grab, grab, c'est bon. Je fais une petite sauvegarde parce que je suis jamais trop prudent. Hop, voilà. C'est parti. Bonjour. Non, bonjour, voilà, je voudrais te vendre des trucs. Weapon et armor. Tu prends rien de ce que j'ai? Ah, je suis deg. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'ai encore des trucs sur moi, c'est qu'il veut pas les acheter en fait. Tous ces trucs-là, il en veut pas. Est-ce que quelqu'un d'autre en voudrait? Hop. Voilà, toi. Celle. Non. Ah, attention, parce que si je peux pas les revendre. Ici, tiens. On va faire toutes les boutiques. Je sais pas trop ce qui les retient de m'acheter ces trucs-là. Ce serait intéressant de regarder ce qu'ils ont comme détail. Hop, info. Condition, il est neuf, il est neuf. C'est des trucs de base, et ben on va voir. Hein. Hop, hop. Sinon, on ira tout de suite à Daggerfall. Hein. Daggerfall, ça, on trouvera de quoi. Hein. Donc, la banque, non. Ah, bah, tiens, la banque, je pourrais toujours faire ça, tiens. Je pourrais leur prendre genre 2000, 2000, 3000, et puis leur rembourser. Ça me ferait. Ah, ça va faire tourner la banque, tiens, ça peut être sympa. Hop, hop, au nord. Alors, au nord un peu, et puis à l'ouest. Je vais emprunter de l'argent pour gagner du temps. Oh, une utilité à la banque de Daggerfall, ça c'est la magie de YouTube. Alors. Hop. Bonjour. Banking. Alors, je voudrais emprunter. Borrow, voilà, emprunter, je vais mettre 3000. Voilà, et je devrais leur rendre 3300. Donc c'est parti. D'ici au 11 Morningstar. Donc on est quoi nous? 11 Morningstar. Ah mais attends mec. Ah c'est de l'an prochain, ça prend un an? Ouais, je pense que ça. Puisque c'est le 11 en Turdas, et nous on est en 11 en Turdas, ouais, c'est un an. Du coup, très bien. Le temps de tuer quelques monstres, on retournera sur nos frais. C'est reparti. Alors. Rentrons à la guilde des mages, qui est quand même moins sympa que celle des guerriers pour nous. Mais plus. On va dire plus. Utile. Au long terme, ce qu'on fera, je pense, dans l'épisode des quêtes et des donjons, c'est qu'on va commencer à monter dans la guilde des mages et je vais l'utiliser
pour tout simplement peut-être accéder à l'enchantement, mais bon, ça fait un peu loin, mais accéder peut-être au vendeur d'objets pour avoir des objets magiques, ça pourrait être sympa. C'est parti. Alors, lui, c'est le donneur de quêtes. On va pas lui parler puisqu'on veut pas des quêtes et on va voir dans les différentes pièces où est-ce que peut être la lanceuse de. Ah bah elle est là. Elle, tout simplement, elle vend les sorts. Je vais aller dépenser un peu d'argent avant de lui parler. Je crois qu'elle est. Où est-ce qu'elle pourrait être l'autre? Il y en a une qui tient une sorte de boule qui flotte. Ah bah voilà, super. Franchement, j'ai du bol. La boule qui flotte, c'est l'identification. On a dans notre inventaire un objet magique qui est celui-là, mais on ne sait pas encore ce qu'il fait. Hop, Power Unknown. On va lui dire bonjour. Je voudrais identifier ce truc. Ça va me prendre 138, mais combien est-ce qu'elle va en vouloir, elle? Identify, voilà. Ça prend 138. À prendre ou à laisser. Yes. Oh, mais attendez. C'est intéressant ça, j'ai pas pris d'argent à la banque. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Du coup, on va y retourner à la banque parce que je vois pas pourquoi j'ai plus que 144. Hop, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est la première fois du jeu que je prends de l'argent à la banque. Si j'étais pas en train d'enregistrer, je serais allé tuer des gens. Du coup, on va voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est des trucs qui m'éclatent. Dans Daggerfall, c'est le mais ça devait marcher, pourquoi ça marche pas? Alors, tout blou. C'est un bug, au moins vous tomberez pas dessus vous-même, c'est ça que j'aime bien. Alors, go go go, je me souviens de ce truc. De ce petit balcon là. Je me souviens que c'était là. Ouais, c'est la banque. Alors, mec, où est le fric? Banking. Loan machin. Borrow machin, repay. Ah, mais ouais! Il l'a mis sur mon compte. Des pièces sur votre compte et vous devez les rendre dans un an autour de 3300. Donc là, au lieu de déposer, je vais faire un retrait de 3000. Ah ouais, mais c'est génial ça. Oh, mais c'est comme dans la vraie vie, dis donc. Voilà, donc je n'avais pas pris l'argent que j'ai emprunté. Souvenez-vous de ça, il faut vraiment prendre l'argent qu'on a mis sur notre compte. C'est excellent. Alors, c'est reparti. Hop, et dans la guilde. Voilà, dans la guilde des mages, il y a pas mal de services. Hein. Il y a les services pour moi les plus intéressants du jeu, étant donné qu'ils vous rendent surpuissant. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de temps à consacrer là-dedans. On va passer par le parc, enfin le parc cimetière plutôt. Hop. Et faire le sort là-dedans, c'est parti. Juste, j'essaie de pas me perdre, j'essaie de le faire. Ah voilà. Quand j'essaye de me repérer moi-même, c'est toujours un peu au pif. Alors, hop, hop, hop. Ouais, c'est celle-là. J'aime beaucoup les textures et les guildes des mages en jeu, là. La tête qu'elles ont, vraiment, elles sont cool. Hop, c'est parti. Donc, la dame. Bonjour, je voudrais identifier ça. C'est fait. Ah bah oui, c'est fait. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Nanana. Ice Storm, d'accord. Donc Ice Storm, c'est un sort de lancer au loin de. Ça lance au loin de la glace. Voilà, c'est des dégâts de glace au loin, c'est très bien. Par contre, ça coûte cher et on va pas forcément l'utiliser, donc à voir. Tiens, il y a peut-être un vendeur de sorts ici? Non, il n'est pas là. Comme ça, on les verra. On verra ce que c'est les sorts et après comment les créer. Alors, lui, je sais pas ce qu'il fait. Ah, acheter des objets magiques. Comme j'ai pas le niveau, il va me dire, tu peux pas. Je peux pas offrir mon assistance à tout le monde, tu comprendras bien hein, que tu n'es qu'un pécor, donc déjà casse-toi. Hop, elle, on la verra après. Hop, bonjour. Ah, c'est lui, avec son petit grimoire, c'est à ça qu'on le reconnaît. Bonjour, je voudrais acheter des sorts. Et voilà. Lui, ça montre tous les sorts qu'on peut acheter, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je vois pas pourquoi je dépenserais 2200 dans un truc qui pacifie les humains. Surtout que je sais pas combien de temps ça le fait, enfin voilà. Je prends plus ça, moi, pour un catalogue d'idées. On pourrait, tiens, le petit bonhomme qui est là, ça veut dire que c'est sur nous. Là, c'est au contact. Après, là, c'est sur nous. C'est la petite icône qui est là. Ça, c'est une icône qui n'est que visuelle. Je crois, on va voir. Ouais, je crois que c'est que visuel.
voilà, Fireball, ici on a l'élément, ici on a l'icône visuelle, et là c'est sur un groupe, voilà, c'est avec une zone d'effet, ça c'est sur nous, voilà, et ça c'est à distance, c'est celui-là qui est à distance. Donc la main pleine c'est au contact, la main qui jette un truc c'est à distance. Donc voilà, lui, bah lui du coup c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra du jeu, profitez-en bien, attention, c'est parti. Alors, elle est où la nana? Donc on était rentré par là, on était allé là, et on est monté. Ouais, c'est bon. Donc bonjour, où est-ce que j'ai mis mes petites notes? Elles sont là. Oui, je vais lui faire faire des sorts notamment. On avait dit qu'on allait monter nous-mêmes deux levels en entraînant nos écoles de magie grâce à des sorts qui coûtent pas grand chose. Et ben c'est maintenant que je vais les créer ces sorts. C'est parti. Donc next spell. Voilà, on arrive sur une interface qui peut paraître compliquée mais qui l'est pas vraiment. Vous verrez qu'une fois qu'on la connaît, c'est même vachement bien fait. Max SP, c'est mes spell points, donc mes points de magie. Donc vous vous souvenez que j'ai 50 en intelligence, multiplié par 3 ça me fait 150 points de magie à ma disposition. J'ai pris de l'argent à la banque. Ça, quand je créerai des sorts, ils me diront combien ils coûtent. Combien il coûte à acheter, attention. Casting cost, c'est combien ça coûte à lancer. Et après, je pourrais donner un nom à mon sort. Ici, vous avez vu que donc il explique. Caster only, c'est sur soi-même. Au toucher, c'est au contact de l'ennemi. Au lancer sur une seule personne, c'est vraiment une flèche. Voilà, on lance un trait magique. Rune Caster, ça c'est... Putain, ça on le retrouve pas avant Skyrim, je crois. C'est vraiment l'aura. C'est ce qu'ils appellent aura, je crois, dans les autres. C'est vraiment au contact, mais sur plusieurs personnages. Et là, c'est Area étrange, c'est-à-dire je balance une bombe magique qui va toucher des ennemis dans une zone. Voilà. Et à droite, pour les magies de destruction, et d'altération aussi pour la résistance, t'as tous les éléments. Donc Fire, Froid, Poison, éclair et magie, voilà, j'en avais parlé du cinquième élément. Et ici, c'est. Donc après, je l'achète ou je remets tout à neuf. Et je peux même changer l'icône. Changer l'icône de mon sort, donc. Ça, c'est vraiment, on va dire, cosmétique. Et pour pouvoir un peu différencier tout ce qu'on a, quand il y a un effet, quand on est sous l'effet d'un sort, ça apparaît en haut à gauche de l'écran et du coup on pourrait se dire tiens, j'ai mon nuage blanc qui va disparaître, ça veut dire que je vais bientôt ratterrir et que je vais plus pouvoir voler. Le petit nuage blanc pour la lévitation, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des fumées vertes, ça pourrait être de l'illusion, de l'invisibilité, enfin voilà. C'est vraiment... voilà, ça pourrait être cette spirale, ça pourrait te dire tiens, je lance du feu, donc je vais mettre une spirale de feu. Enfin voilà. C'est... Et il y en a plein en plus. Hop, est-ce qu'on peut retourner à celle du début, comme ça vous les aurez vus. Voilà, la roue, la orange, et après il y a la jaune et après la orange. Du coup, on va commencer par mon entraînement d'altération. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... Ou alors tiens, ce qu'on va faire c'est un... On va faire un sort, le sort que j'aime bien, le sort de saut. On va le faire en vrai, déjà. Hop, c'est parti. Donc, jumping... On a le premier truc qui est la durée du sort. Ensuite, on a la chance de le lancer pour le jump, on n'en a pas besoin. Et la magnitude, c'est en fait la force. La force du sort, c'est la magnitude. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir les chiffres sous les yeux. La durée, ça va être la durée de base. Imaginons que je suis au niveau 0. Voilà. Je suis au niveau 0, s'il existait, hein. Voilà, au level 1, voilà, au niveau 1. Je vais lancer par exemple ce jump pendant 5 rounds. Et après vous verrez qu'il y a un plus peur. En fait c'est plus un nombre de secondes par niveau gagné. C'est-à-dire que là si je mets 5, au niveau 1, tout simplement le sort il va durer 5 rounds. Mais au niveau 5... Enfin, quand je serai 5 niveaux en plus, il y aura 5 plus 5, parce que je suis niveau 5. Donc le minimum c'est 1. Quand je pense à ma logique, le minimum c'est 1, voilà. Et ainsi de suite. Du coup, on peut
rien qu'en augmentant de niveau, augmenter la puissance et ou la durée des sorts. Et ça dans Daggerfall, je trouve ça génial parce que plus t'avances, moins les sorts ils vont coûter et plus ils vont être efficaces. Tu deviens trop puissant à la fin de ce jeu, quoi. Du coup, duration 5 plus 1 par 1, c'est pas mal, mais duration 5 c'est déjà beaucoup. Je vais faire un duration 3 et je veux pas qu'il dure trop longtemps. Du coup, plutôt que de lui dire de augmenter de 1 à chaque fois qu'on passe un niveau, on va dire à chaque fois qu'on passe, allez. Là vous voyez que ça fait plus trop baisser grand chose. Ouais, voilà. Je vais mettre tous les deux niveaux. Ça rend le sort moins puissant, mais ça le rend aussi moins cher. Est-ce que je fais baisser le coût de... Voilà, ici on a le coût de G, même si je vais au niveau je ne sais pas combien. Ouais, voilà. Ça va pas plus le faire descendre que ça. Du coup, tiens, est-ce qu'il y a un level max? Ça peut être intéressant. Level max est 20, donc voilà. Je vais le mettre tous les deux. Ouais, profitons-en, tous les deux niveaux, il va gagner une seconde. Ça va juste me permettre de passer au-dessus d'un précipice. Je fais exit. Et du coup, voilà, au niveau 4, on gagnera 2 secondes, ainsi de suite. Du coup, celui-là, il est bien, il va durer assez longtemps. 3, ce n'est pas 3 secondes, mais 3 rounds, donc 15 secondes, attention à ça. Exit, jumping, il va me coûter 60. À lancer, il va me coûter 13. Et je vais l'appeler, du coup, jump. Voilà. Jumping, 3. 3 rounds. Est-ce que je mets ça? Ouais, 3 rounds plus... Ouais, non, jumping, je vais utiliser que celui-là. J'ai pas besoin de lui donner plus que ça. Donc, entrée, voilà. Et on va l'acheter. Je pourrais même vous le montrer tout de suite, d'ailleurs. Alors, bye. Voilà, il est inscrit dans votre grimoire. Si je sors et que je regarde mes sorts... Hop, j'ai ce jumping à 13 maintenant. Et j'ai déjà en plus dans mon inventaire, parce que je suis un peu un mage, caméléon, choc, au contact, et chute ralentie. Donc chute ralentie, j'ai même pas besoin de le refaire. Même s'il est un peu cher, on pourra rester sur celui-là, c'est plus roleplay de garder celui qu'on a ramené de la maison. Du coup, on a jumping, je vais faire mes sorts d'entraînement tout de suite, make spell. Alors... Add effect, on commence toujours par là. Pour l'altération, je vais rester sur jumping, mais je vais en faire le minimum possible. Donc, parce que ce qui est important là dans les sorts d'entraînement, c'est que le sort il réussisse. Et qu'il ne coûte très peu de magie, étant donné que c'est à chaque fois qu'il réussit à être lancé que ça compte. Donc voilà, jumping, duration, voilà, 1, on peut pas aller à 0, et on peut pas... Et là, je vais dire tous les 10, c'est pareil, de toute façon. Voilà, exit, le sort, il me coûte rien, à lancer, il coûte rien, et je vais l'appeler, par contre, je vais l'appeler Train Alté, ça va être très bien, puisque après, attends, Alté, est-ce que je peux mettre le plus grand mot qui est Thaumaturgie? Thaumaturgie, ah ouais, je peux aller jusque là? Est-ce que je l'ai bien écrit? Thaumaturgie, bah écoutez, très bien. Train altération. Voilà, et ça je vais le lancer en boucle dans ma chambre de la guilde des guerriers pour pouvoir m'entraîner. Train altération, c'est bon. Je vérifie, ça c'est bon. Je vais pas lui mettre d'icône particulière, je vais le faire sur moi, du coup je l'achète. Voilà, celui-là je vous le conseille pour l'alté. Maintenant ce que je vous conseille pour la destruction... Ah oui, ça va être un sort qu'on peut lancer pour la destruction, parce que sinon, il y a un truc à expliquer. Là-dedans, on va faire dommage à la vie. On va faire dommage direct à la vie. Donc, magnitude, ben, rien du tout. Donc soit... Tiens, pour la magnitude, ça c'est intéressant. La magnitude, c'est une échelle. La chance, c'est pas... ça va être 20% de chance, mais pour la magnitude, c'est comme avec les armes. Il va pas faire 20 dégâts, il va faire entre 20 et 30, si on met 20 et 30. Mais là, on pourrait lui dire qu'il fait entre 1 et 3 de dégâts, plus 2 et... plus 3 et 6 de dégâts à chaque niveau qu'on gagne. Et du coup, plus on va... le niveau de base, il sera assez bas, mais là, avec cette configuration-là,
plus on va augmenter le niveau, plus ça va être pété. Donc moi je vais juste mettre du 1-1-1 partout. Il coûte déjà pas mal cher pour un sort, on va dire. Pour un sort d'entraînement, il fait déjà 9, hein, c'est deux fois plus que l'altération. Et on va faire autre chose avec, c'est qu'on va le lancer. Single target étrange. On va faire single target, voilà. Il augmente parce que... Imaginons que je veuille lancer un sort. Si je lance un sort de soin, je peux me le lancer sur moi, il n'y a pas de problème. Mais un sort de destruction, je peux pas le lancer sur moi. Du coup, je vais devoir ruser et les lancer dans les murs comme ça. Mais ce qui se passe dans Daggerfall, et ça je vais pas l'utiliser, à chaque fois qu'on charge un sort de destruction, il est compté comme bon. Puisqu'après il suffit de le lancer. Du coup, je vais pas utiliser ça, moi je vais lancer des sorts dans les murs pour être un peu plus roleplay, on va dire. Être plus, voilà, vraiment plus dans le jeu ordinaire et pas dans l'exploitation de bugs ou l'exploitation de raccourcis. Donc ça c'est bon. Ça va être train. Destruction. Train destruction. Hop. Bye, c'est très bien. Voilà, il fait des dégâts magiques. On va maintenant faire celui d'illusion. Ce sera la lumière. Donc light. Au-dessus de lock, il est là. Ouais, duration de 1-1-1. On augmente les niveaux pour qu'il baisse encore plus de prix et de cost. Ici, hop. Train illusion, voilà. Ici 8, bon c'est très bien ça. Donc je le valide aussi, hein. Je vérifie tout à chaque fois, je le valide. Et ajouter un effet, on va dire maintenant pour le mysticisme, on va prendre le sort d'ouverture. Hop, open. Magnitude, on augmente les niveaux nécessaires. Exit, voilà, vraiment les sorts low cost de base pour pouvoir s'entraîner. Donc train, mysticisme, mysticisme, voilà, on fait bye, ensuite restauration, restauration on va prendre quoi, free action, ah ouais, free action c'est pas mal, c'est parti, donc... Hop, 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 free action. On augmente le nombre de niveaux nécessaires pour faire augmenter son niveau. Ah oui, il coûte vraiment que rien, vraiment rien celui-là. Donc, train, restauration. Faut pas faire de gaffe parce qu'après on peut pas les oublier, donc c'est embêtant. Si on fait une gaffe, train, restauration, voilà. Donc, toujours à soi, bye. Et le dernier, donc. On va tout de suite appeler Train Thaumaturgie. T-H-A-U-M-A-T-U-R-G-Y. Voilà. On va mettre quoi comme sort dessus? On va tout simplement mettre Waterwalking. Voilà, merci mes notes, parce que merci bien sinon. Waterwalking, on va le monter. Voilà, exit. Train Thaumaturgie, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est parti. Bye. Voilà, je vais faire un petit edit juste pour vérifier mon grimoire. Voilà, j'ai mes entraînements partout, c'est très bien. Je vais vous montrer maintenant un peu plus sur le mech spell, c'est-à-dire, imaginons que je veux faire un sort. On pourrait faire un sort de lévitation, par exemple. Allez, un sort de lévitation. Tiens, j'ai une idée de sort. C'est un des sorts que j'avais fait dans mon row, ça. Un sort de lévitation. Enfin, une des techniques que j'utilisais dans mon row pour pas me tuer quand je volais. Qui va durer entre... qui va durer un round de départ, qui va durer 5 secondes. Allez, on va dire qu'il va durer 3 rounds. Et à chaque niveau, il va prendre 3 rounds en plus. Donc ça fait un peu beaucoup, je vais le laisser à 1. Je veux pas forcément voler pendant des heures. Voilà, donc tous les 3 niveaux en plus, je volerai un peu plus longtemps. Voilà, il coûte déjà 39 à lancer, mais je peux lui rajouter, par exemple, Slow Falling. C'est-à-dire que Slow Fall, on va reprendre 3 plus 1 tous les 3, et plus 1 tous les 2, étant donné qu'on veut peut-être un matelas un peu plus efficace au cas où on tomberait dans le vide.
Et ça va nous laisser en fait plus de temps de lancer le prochain sort de lévitation s'il vient à manquer. Exit, voilà. Donc là, j'ai un sort qui fait à la fois lévitation et slow fall. Et je pourrais rajouter comme ça un troisième attribut, en fait, à mon sort, et vraiment combiner les trois. Voilà, donc ça peut être vachement utile pour faire des gros dégâts, pour faire de... Moi, j'aime bien en parler, mais la paralysie qui fait des dégâts, ou des choses comme ça. Ou soigner à la fois la vie et la fatigue, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sort sympa? Là, j'ai la liste sous les yeux, donc on pourrait guérir à la fois... Ouais, la vie et la fatigue, ou guérir plusieurs attributs à la fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Des dommages de plusieurs éléments. On pourrait faire... voilà, là j'ai pas trop d'idées en fait. Mais vous imaginez un peu, je vous laisse imaginer tout ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de sympa? On pourrait, tiens, faire un sort de lévitation. Un sort peut-être de caméléon qui nous rendrait à moitié transparent. Et un sort qui fait que, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, de lumière, et on serait comme ça une sorte de fantôme lumineux, voilà, ou ça pourrait être la forme éthérée qu'on a après dans Skyrim, par exemple, hein, ou faire des trucs comme ça, voilà, j'imagine des trucs qu'on pourrait faire, ou alors un sort qui va être efficace contre les mages et contre les guerriers, en leur enlevant à la fois de la volonté et de la force, par exemple, voilà, ou de l'agilité. Donc, ah oui, contre les guerriers, ça peut être sympa d'enlever à la fois l'agilité et la force. Voilà, ça peut être un bon truc. Donc ici, je veux annuler ce que j'ai fait, je fais new, voilà. Et écoutez, je vais vous montrer un peu comment on lance un sort, c'est assez simple. Exit, voilà, je vais sortir dehors. Je commence à être bien fatigué, n'empêche. Hop. Je commence à être bien fatigué. Si je me faisais un petit sort de récupération de la fatigue. Donc, bonjour, make un spell. C'était quoi? Soin, guérison, heal. Voilà, c'était heal. Donc, soin de la fatigue. Ah, mais on peut aussi les attribuer, c'est ça que j'avais dit? Il les attribue, c'est possible ou pas? Bah ouais, de toute façon, c'est sous les yeux, mais est-ce que je vous en ai parlé? Ouais, je vous en ai parlé, c'est cool. Du coup, la fatigue. Hop. On va dire que on se donne... entre 2 et 2, 2 points de fatigue. Ouais, on va quand même augmenter, on va se mettre 5 points. Et tous les niveaux, on va se rajouter... 3 points. On va faire un sort de récupération de fatigue faible. Comme ça. Est-ce que en augmentant ça, j'augmente beaucoup? Ah oui, c'est vrai. À tous les nombres impairs, quand on rajoute un nombre pair à droite, on ne fait pas augmenter le compteur. Ça, j'avais oublié de vous en parler, c'est bien. Par contre, si voilà, hop, si j'augmente, ça va augmenter ici, donc... Ah ouais, voilà. Là, comme ce point-là que je rajoute, il va être à chaque niveau, paf, ça me fait augmenter de 6, alors que si je le fais de base, ça me fait augmenter que de 2. Du coup, est-ce que j'irai pas jusqu'à... Voilà, de 6 à 7... plus entre 3 et 4 par niveau. Si je le fais tous les niveaux, ouais non, tous les 2, tous les 3. Ouais, comme il va être faible, je vais peut-être le mettre tous les 2 niveaux. On n'en aura pas besoin de plus que ça. Du coup, il fait pas beaucoup, il est pas très... Voilà, ça c'est un sort bien optimisé par exemple. Je vais peut-être mettre jusqu'à 20, ça pourrait être sympa. 10, entre 10 et 11, voilà, ça me coûtera que 21. Et j'augmenterai plus 3 et 4 tous les deux niveaux, c'est-à-dire que niveau 30, il va quand même être assez intéressant à balancer quelques fois. Allez, c'est parti. Donc je vais dire exit. Je vais l'appeler... Je vais peut-être lui mettre une icône bleue. Ouais, voilà, on va dire que ça c'est l'icône de soin. Heal. Non, pas comme ça, plutôt comme ça. Heal fatigue. On va dire... 1, puisque c'est le plus faible des sorts que j'ai fait pour le heal fatigue jusqu'ici. Hop, je l'achète. Et je vais me lancer tout de suite. Merci madame. Du coup,
il fatigue. Si je fais double clic dessus, hop, je le lance. Et vous voyez que ma barre rouge est remontée un petit peu. Donc c'est vraiment le sort faiblard du début, mais qui va augmenter, qui va rester faiblard, mais qui augmentera au fur et à mesure que je gagne des niveaux. Je vais mettre les barres bien comme ça pour qu'on les voit. Si je fais le sort de grimoire, je peux le relancer en cliquant dessus. Mais en fait, il faut imaginer qu'il est chargé. Du coup, vous avez une deuxième touche pour relancer le sort, en fait. Voilà. Hop, hop, je lance. Et ça, voilà. Maintenant, j'ai plus de magie. Et ce qu'il va me dire, c'est vous n'avez pas assez de points de magie. J'ai augmenté mes points de fatigue, par contre, en échange de cette magie. Comme je suis encore assez faible, l'échange entre les deux, il se fait pas, il est pas super sympa pour moi, mais c'est pour vous montrer quand je serai vraiment au niveau 80 en restauration, là, forcément, ce sera pas aussi dommageable pour ma magie. Donc voilà. On va un peu sortir, on va faire quoi? On prendra un niveau, tiens, la prochaine fois. Je vais vous faire ça. Hop, on va aller se diriger vers la guilde des guerriers. Je vais vous montrer comment... Je le ferai par contre que pour un seul niveau, donc on va se mettre au niveau 3. Et arriver au niveau 3, ce qu'on fera, c'est tout simplement... au début de l'épisode, on se met au niveau 3, et après, hop, on va faire des quêtes. Pour la guilde des mages, ce sera le prochain épisode, ça. Donc on va faire un petit dodo... Hop, et je raterai l'épisode quand on se réveillera. Voilà, merci. Donc on va dormir pour un petit moment, jusqu'à ce qu'on soit soigné, on peut dire. Hop, 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 3, 4, 5, 6. Donc on va peut-être prendre un Medical Jump Mercantile. On n'a pas pris de sort de restauration, en fait, de points de restauration encore. Mais ça, on le fera la prochaine fois. Je pense que c'est ce que je veux augmenter en priorité, hein, la restauration. On prendra 15 points de restauration la prochaine fois. Quitte à faire une ellipse, hein, je vais pas vous faire le mec qui lance 200 points de... Enfin, 200. Peut-être pas 200 quand même, mais une centaine de sorts juste pour en arriver là. Je vous ferai une petite ellipse. Mais le niveau, en tout cas, à chaque fois que j'en passerai un, on le passera ensemble. Et je pense que c'est comme ça que je débuterai les épisodes suivants. Sur le passage de niveau, voilà, je vous dirai salut, machin, hop, c'est parti pour passer un niveau, maintenant, on continue l'aventure, parce qu'il y a des quêtes, en fait, qui ont besoin de... d'avoir un perso principal au niveau 9, au niveau 10, on verra ça, ne serait-ce que pour recevoir la quête qui va... ne serait-ce que pour recevoir la quête et débloquer la suite de la quête principale, on va devoir monter de niveau, donc si on veut le faire rapidement, autant le maîtriser, et c'est pour ça que j'en passe par là. Voilà pour moi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, tout simplement à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère qu'elle aura été intéressante. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, à bientôt. Salut, salut!